Donc, i5 est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à 2, 1 sur 1 plus x moins 2 sur 1 plus 2x dx. Donc il faut, bien sûr, il faut absolument que je fasse ces entre parenthèses-là. Oui, c'est important, parce que c'est 1 sur 1 plus x dx moins 2 sur 1 plus 2x dx. Il faut que la variable soit. Voilà, donc, est égal. Donc là, c'est une application directe. C'est clair, parce que j'ai, donc, si vous voyez bien les choses, 1 sur 1 plus x, c'est u prime sur u. Une primitive, c'est lnu en valeur absolue. Donc, lnu en valeur absolue, c'est-à-dire, est égal, donc, j'ouvre mon crochet, donc, c'est ln 1 plus u, mais qu'est-ce que je dis, 1 plus x en valeur absolue, moins ln 1 plus 2x en valeur absolue de 1 jusqu'à 2. Donc toujours on remplace par le haut. Donc ln 3 moins ln 5 moins ln 2, le moins avec le moins ça devient plus, donc plus ln 3. Voilà, comme vous voyez, c'est ln 3 moins ln 5 moins ln 2. Si je remplace par 1, le moins avec le moins, c'est plus, donc plus ln 3. Donc est égal, donc on peut modifier un petit peu notre expression si on veut. Donc ln 3 moins ln 5, c'est ln 3 sur 5. Voilà. Moins. Et puis, plus ln 3 moins ln 2 qui est égal à ln 3 sur 5. Ln 3 moins ln 2, c'est ln 3 sur 2. Ln 3 sur 5 plus ln 3 sur 2, c'est ln 3 sur 5 fois 3 sur 2 qui est égal à ln 9 sur 10. Et voilà. Donc, comme vous voyez, c'est une application directe des primitives visuelles. Donc, après, on va voir un sixième et septième exemple.